sur un chemin noir, totalement dans l'obscurité. Je trébuche et sans cesse tombé. Rien de sûr, tout est flou, prêt à s'écrouler. Je regardais autour de moi, je me rendais pas compte là où je me trouvais. Je marchais, avançais pas à pas, peur des brisements qui résonnaient. Des combats avec toutes ces défaites, là sur les parois toutes gravées. Et tout à coup je me rends à compte que je marchais au centre de mon cœur. Puis mon regard porta sur cet endroit, cassé, brisé, les blessures du passé. La crainte, le doute, l'effroi embaument cet endroit vide et glacé. Puis au milieu, au centre de tout, un grand siège, un gouvernail, et personne pour y siéger. Puis j'ai entendu un grand bruit, quelqu'un qui frappait à une porte, et il m'a dit que si je lui donnerai la vie, la vraie vie, qu'il panserait mes blessures, qui changerait ma tristesse en joie, et que mon cœur avait des brisements qui résonnaient, mes entrailles qui de joie tressaillaient, la clarté, la lumière qui brillait, ce vide en forme de Dieu était enfin comblé. Saint et l'Éternel, pour nos cœurs qu'il l'a transformé. Qu'il a bouleversé. Saint l'Éternel, car il revient nous chercher et nous l'attendons. Le principal, soyons.